Yo, c'est Joe, j'espère que vous allez bien, moi ça va au top. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, c'est parti tout de suite. Et je me suis enfin décidé d'acheter un Man of the Match, les mecs. Un Man of the Match qui prend plus 4 de général par rapport à sa vraie version. Et juste avant de commencer, voilà la vidéo, encore une fois un petit peu de blabla, vous savez toujours. Vous savez, en ce moment, Carrefour donne des cartes Panini. Vous les voyez, elles sont là. Des cartes Panini, vous savez, quand vous avez un certain nombre d'achats, ils vous donnent des cartes Panini avec les joueurs de l'Euro 2016, les joueurs français. Et moi, je les ai ouvertes, parce que je suis un grand gamin, etc. Je voulais savoir qui j'avais. Et puis, ça me rappelle le temps d'avant où ils font ça à peu près pour tous les Euros et toutes les Coupes du Monde. Donc, je les ai ouvertes. Je vais pas vous cacher. Grosse déception. J'ai eu 3 joueurs. On va dire 3 joueurs. Donc, voilà, je vous les montre à la caméra. Vous le voyez. Le premier, c'est quand même. Ouais, Hugo Lloris. Donc, voilà, niveau swag. Bah, c'est bof, hein. C'est quand même le gardien de l'équipe de France. C'est pas top non plus. On enchaîne avec quand même Raphaël Varane, un défenseur central. Bon, voilà. Vous allez me dire, non mais Dior Capil est titulaire. Oui, d'accord, mais ça reste Raphaël Varane, c'est pas une dinguerie non plus. Et Morgan Schneiderlin, il est même pas sûr d'être sélectionné en équipe de France. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles. Donc voilà, déception. On attend la semaine prochaine, quand mon daron retournera faire des courses et qu'il me ramènera ses paquets Panini, que je serai très 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 heureux d'ouvrir en vidéo avec vous. Mais sincèrement, si on se retape des joueurs comme ça, ça va être triste, ça va être très très triste. Donc revenons au sujet de la vidéo. Un Man of the Match. Et si t'es content, toi devant ton écran, qu'on teste des Man of the Match, c'est en bas, c'est le like, c'est les 2000 likes peut-être. Non, je sais pas, je suis trop ambitieux, je sais, on n'y arrivera jamais. Putain de merde. Ok, donc là tu veux savoir qui est le Man of the Match, tu ne l'as pas vu sur la miniature car Djorka fait malicieux, Djorka fait malin. Aujourd'hui on teste l'enfant maudit du football français, l'enfant déchu, meilleur espoir de Ligue 1. C'est un joueur que tout le monde déteste, que c'est un joueur, je pense, que... vous savez, dans ma dernière vidéo, le joueur français le plus détesté. Et bah, énormément de gens ont cité son prénom et je ne savais même pas qu'il était détesté. Et au final, oui, c'est Florian Thauvin, les mecs. On regarde ça à l'écran ensemble. Florian Thauvin, la version Man of the Match 80 de général, qui a été Man of the Match pour son, on va dire, bon match. Même si voilà, il y a débat contre Sochaux en Coupe de France. Voilà, il a marqué un but, le seul but de la rencontre qui a permis à l'OM de s'imposer. Donc voilà, j'ai acheté 30 000 crédits, 82 de vitesse, 83 de dribble, 76 en tir, 78 en passe. Une belle carte avec les 4 étoiles gestes techniques. Une très belle carte, j'ai envie de tester. Je l'ai mis en plus, les mecs, dans une équipe de très très grand talent. Regardez-moi ça, une équipe originale. Alors vous voyez, l'équipe, elle est là, sous vos yeux. Une superbe équipe avec quand même un joueur que je ne soupçonnais pas d'être à ce niveau-là, tout simplement. Alan Saint-Maximin. Donc voilà, la Saint-Maximin, c'est 4 étoiles gestes techniques. Une carte bronze, certes, mais 84 de vitesse, 76 en dribble. J'aurais aimé une carte informe de sa part, malheureusement, bah non. Mais en tout cas, voilà, une super carte. Après, pour le collectif, j'ai fait un milieu de terrain monstrueux. Avec Matuidi, hashtag j'ai toujours 7 dans l'équipe, Pogba et Marquisio. Et ensuite, offensivement, voilà, 3 joueurs qu'on ne voit jamais et que j'avais envie de tester avec Mounier, Alan Saint-Maximin et Florent Thauvin, Man of the Match. Donc voilà, moi je pensais pas que Florent Thauvin était si détesté que ça en fait au final. Mais vous avez été énormément à me dire Florent Thauvin. Bon, bien sûr, vous avez été énormément à me dire aussi Benzema, Nasri et Ribéry, qui sont le trio des joueurs les plus français les plus détestés. Mais sincèrement, je pensais pas qu'on allait retrouver Florent Thauvin. Il y a beaucoup aussi eu de Ruffier et beaucoup de Valbuena. Voilà, c'est les 3 autres joueurs que je pourrais citer. Donc voilà, 6 joueurs en tout. Donc on a trouvé un adversaire, il a, oh j'aime bien ça, en tout cas niveau maillot, bon c'est bof, en tout cas j'aime bien son écusson. Et donc c'est parti, on va aller découvrir son équipe ensemble, et son équipe, la voici, une équipe de malade, une équipe de malade, une équipe de dingue, avec, oh fuck, et au final pas du tout, en fait oui, pas le Bouffon, le Gigi Bouffon, mais au final c'est pas des gros joueurs informes, donc je pense qu'il y aura moyen de se démerder et de faire un truc... plutôt sympathique quoi. Allez, on se met en mode Champions League les mecs, en mode MHD, partie 3, tu connais, ou pas d'ailleurs, tu connais pas parce que l'album est plutôt de piètre qualité, je vais pas te mentir. En Thauvin, en Flotov, mais cours. Voilà, donc oh il part de là la troisième corde, vous l'avez vu, Florent Thauvin qui vient de se faire ramasser la gueule, c'était plutôt violent. Oh, Saint-Maximin, Saint-Maximin. Ça part vite, ça part très très vite dans la lucarne de Gigi Buffon. Carte de je ne sais pas quoi d'ailleurs, je sais même pas c'est quoi cette carte. Mais en tout cas, il est vif le Gigi Buffon. Allez, on va essayer de chercher. Allez, on va le faire tirer par Florent Thauvin, tiens. Allez, Florian, il a des stats pas trop dégueu. Et il est bien fait, on va dire, il est bien designé. Allez, la tête. Ouh, c'était dangereux ça. Florian, il va falloir qu'on tire un peu plus. Il va falloir que tu tires un peu plus, bonhomme. Oh, le bon déplacement de Cuadrado, la parade de Steve Mandanda. Et non, on se prend la contre-attaque.
Là, je vous dis l'action, je voulais pas forcément recentrer, mais c'est l'action juste après notre grosse tête de Thiago Silva sur un centre de Thauvin. Et malheureusement, on se prend 1-0 directement, but de Cuadrado. Enfin, Thauvin qui fait la diff. Thauvin qui est passé. Thauvin encore. Thauvin encore. Thauvin encore. Oh, oh, top, top, yeah, yeah, yeah. Oh, encore une fois. Thauvin sur son côté, va faire la vie poteau, c'est ta vidéo, c'est ta vidéo. Non mais tu t'es fait tacler comme un enculé. Allez, vas-y, blesse, blesse-ou. Avec le lag, mais avec le but. Attention mesdames, messieurs. Et oui, Blaise Matuidi qui vient égaliser. Un beau débordement de Thauvin, malheureusement il se prend une faute, je pense, il y a pénalty. En toute sincérité, voilà, là, regardez-moi ça. Même une deuxième faute juste avant. Et là, en tout cas, Blaise-ou qui vient mettre une lucarne. Voilà, même Gigi Buffon ne pouvait pas l'arrêter, donc on peut dire belle frappe. Ce qui est pas habituel pour un Blaise Matuidi. Thauvin l'enroulé. Je tente des trucs, on sait jamais. On sait jamais, le football c'est fou. Mais je crois que Thauvin et Man of the Match, il est pas si foufou que ça, quoi. Oh, Thauvin. Vas-y, Thauvin. Oh non, je sais pas quoi faire. Mais oui, ce talent. J'ai bégayé, mais ça fait but. Ma caméra n'a plus de batterie, mais vous l'aurez vu. Cette dernière réaction de Florian Thauvin. Flottant, mon gars. Mais c'est ça qui est bon. Allez, 1, c'est parti, c'est reparti même. 2-1, non, 2-1, ça va trop vite le football. Oh là là, Thauvin. Oh, Thauvin. Mais Thauvin XXL. Thauvin, Man of the Match. Mais oui, mais c'est comme ça qu'on l'appelle. Mon Dieu, mon Dieu, il fait la... Y'a pas faute. D'accord. Ok. Oh vas-y Flotov. Oh Flotov, tu lobes. Ouais. Bon, il a que 80 le général, hein. Faut pas non plus lui demander à la lune, hein. Pas comme un Indochine, quoi. Et retrouver Djorkaeff en spectacle pour ses meilleures blagues des années 80. Ivar Rashkit. Ivar Rashkit. Oui, Rashkit, on fait Rashkiter avec homme du match de notre... Attends, on gagne le match. Et on n'a même pas l'homme du match dans notre équipe. Il n'y a pas d'homme du match. Il n'y a pas d'homme du match dans... Comment ça se passe? Il n'y a pas d'homme du match? C'est comment le... C'est quoi les bails? D'accord, ok, bah Thauvin la meilleure note, mais il n'est pas homme du match. Mystère. En tout cas, voilà un petit Rashkit pour notre adversaire, voilà. Florent Thauvin, man of the match, j'ai beaucoup aimé. Après, je dirais que c'est un style de joueur particulier. Il a un gros physique, il va vous prendre des ballons de la tête, il va se battre, il va faire des trucs sympas. Mais c'est clairement pas un top player.